Nous sommes dans une région de forêt équatoriale où vivent plusieurs communautés, principalement les communautés Mbuti, Efe et Chwa, qui vivent essentiellement de la forêt. Tous les jeunes ici dans les villages, dans la réserve, ils n'ont pas de travail. Mais aussi les immigrants qui viennent d'ailleurs, pour eux c'est facile de rentrer dans la forêt, de chercher de l'or, chercher des diamants, faire le braconnage, exploiter du bois. Ces personnes viennent déjà changer la mentalité ou bien la manière de vivre de la communauté locale et ils changent aussi leurs attentes par rapport aux ressources naturelles. Dans ma cycle, il y a un patricant qui est en sans scène. Quand on a un côté, on a un wing, on a un pouli, on a un niveau, 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 on a Il faut que ces communautés puissent s'exprimer et puissent participer activement au projet, dès la conception jusqu'à la mise en œuvre. Et sur le plan institutionnel et les lois, nous voulons avoir ou bien appuyer des lois qui peuvent tenir compte de situations aussi des communautés qui vivent directement de la forêt. Les communautés, ce sont notre yeux et oreilles aussi sur les terrains. Et avec leur appui, on peut combattre les braconniers, on peut combattre les groupes armés, par exemple, pour sécuriser la zone. Et ça, encore, a un effet pour leur sécurité en plus. Alors comme ça, c'est un win-win pour tout le monde. Nous allons aller dans une campagne de changement de mentalité. En ce qui concerne la consommation de viande de brousse au niveau des centres urbains, dans des villes, nous voulons accroître la production de protéines alternatives comme le poulet, le bœuf et le poisson issu de l'élevage et d'autres types, les insectes aussi par exemple. Quand ils trouvent là où ils peuvent acheter des poulets, je crois qu'avec l'État, il n'ira plus en brousse pour aller chercher les viandes de la brousse. Nous sommes confiants que nous aurons des résultats. Il y aura vraiment de l'impact, même si ça demande du temps, mais je suis confiant.